Nang's Reborn. Wow, bonjour les frères, bienvenue sur ce bon. Dans cette vidéo, nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Voici ce que font les nouveaux hommes de Dieu. Vous risquez d'être surpris parce que nous avons découvert cette semaine un nouveau Jésus. En fait, un Jésus baoulé. Si vous n'êtes pas abonné à nos voitures, la cloche et les 5 j'aime pour nous aider à avoir 10 000 j'aime pour cette vidéo. C'est parti. Venez, 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 venez. Venez voir parce que ça, wouh, c'est extraordinaire. Vous voyez ça? Voici le nouveau Jésus, selon les informations qui circulent sur Internet. On dit que c'est le Jésus baroulé. Sa présence semble déranger tout pasteur, comme ce pasteur que vous voyez le corps ici. Alors là, ça devient bizarre. Et ici, on voit deux autres pasteurs. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais vous serez surpris par ça. Ça risque de vous faire rire. Soyez prêts. Bien. Jésus baoulé, on commence par toi. Ok, regardez, écoutez ce que le Jésus baoulé dit à ses fidèles. Mais toi, tu es un être humain. C'est-à-dire, toi, là, ta vie, là, ça va être dans moi, ma main. Oh? Waouh! Elle dit, toi, si tu dors là, si tu te bats réveillé, tu te tiens pas. Est-ce que tu crois même? Tu crois? Si tu crois que Dieu te bénisse. Amen! Si tu crois que Dieu te bénisse. Waouh! Wow. Il dit qu'il est le. C'est comme s'il parlait à la place de Jésus, quoi. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme s'il parlait à la place de Jésus, c'est comme si c'était le Seigneur Jésus-Christ qui était revenu, quoi, dans notre monde, pour nous saluer. Sérieux? Sérieux? Regardez encore ça. Bénédiction de tout chacun, moins un, vous tous. Oh? Non, je n'ai pas bien compris. Regardez. Venez, vous allez voir ça. Bénédiction de tout chacun, moins un, vous tous. Waouh! Vous allez voir. Par exemple, ta bénédiction la moins 1. 2000, toi ta bénédiction moins 1. Anne, ta bénédiction moins 1. Jean-Claude, toi aussi ta bénédiction moins 1. Toi aussi. Christophe, vous tous, votre bénédiction là. D'abord, si j'ai enlevé votre bénédiction là. Cécile, toi ta bénédiction moins 1. C'est comme à l'école. C'est comme à l'école, c'est comme si j'étais en classe. C'est pas blanc, hein? Mais qu'est-ce que ces gens ont fait? Ou est-ce une sanction pour eux? Regardez! Bénédiction de tout chacun, moins un, vous tous! Waouh! Vous allez voir. Par exemple, ta bénédiction la moins un. 2000, toi ta bénédiction moins un. Annie, ta bénédiction moins un. Jean-Claude, toi aussi ta bénédiction moins un. Toi aussi. Christophe. Vous tous, votre bénédiction là, d'abord si j'ai enlevé votre bénédiction là, Cécile, toi ta bénédiction moins 1. Waouh. Hein? Mais qu'est-ce que ces gens l'ont fait? Oh? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Matin bonheur là, pour que le Jésus baoulé puisse faire un moins 1 sur leur bénédiction. La question que beaucoup de personnes se posent, c'est est-ce que ça aura des effets? Oui. C'est pas encore fini. Je ne peux pas prêcher dans ça là. Ça là, c'est moi. Il dit que la Bible, c'est à lui. La Bible, c'est là, c'est moi. C'est le travail que j'ai effectué en Israël là. C'est ça qu'on a écrit. C'est ça qu'on a écrit ici. Donc, je ne suis pas venu vous parler du travail que j'ai déjà fait. Il y a un autre travail que je viens de faire sur la terre. Ce travail, c'est celui de la fin du monde. De la fin de tous les temps. Là, c'est moi qui vais détruire le monde. Moi là. Regardez mes trop gros yeux que vous voyez chez moi là. C'est moi. Mes deux mains qui sont là. C'est moi, mes deux pieds, moi qui suis en train de marcher, que vous voyez là. C'est moi qui viens de me dire. Quoi? Il n'a pas bien compris. Regardez le très bien, il est venu pour nous dire des choses. Je ne peux pas prêcher dans ça là. Ça là, c'est moi. La Bible qui est là, c'est moi. C'est le travail que j'ai effectué en Israël là. C'est ça qu'on a écrit. C'est ça qu'on a écrit ici. Donc je ne suis pas venu vous parler du travail que j'ai déjà fait. Il y a un autre travail que je viens de faire sur la terre.
Ce travail, c'est celui de la fin du monde. De la fin de tous les temps. Là, c'est moi qui vais détruire le monde. Moi, là. Regardez, le trou gros cheveux, vous voyez, je suis là. C'est moi, mes deux mains qui sont là. C'est moi, mes deux pieds. Moi, mais qui suis en train de marcher, que vous voyez là. Wow. C'est moi qui viens de me dire. Hein? Sérieux? J'arrive. Il a l'air d'être sérieux, hein? J'arrive de me promener. Il a l'air sérieux, hein? Il a l'air sérieux de ce qu'il dit, hein? Il a l'air sérieux, même convaincu de ce qu'il est en train de dire. Alors là, ça devient chaud. Il va dire un truc, c'est pas là. Vous allez comprendre certaines choses sur la vie. Regardez ça! Tu allais dans les bois de nuit. Tu allais te promener. Tu allais dans les bois de nuit. Tu allais te promener. Tu allais dans les bois de nuit. Tu allais partout. Où un chrétien ne doit pas aller là? Tu es parti là-bas, tu rentres dimanche à l'église. Tu allais samedi, tu es venu. Tu vas à l'église dimanche. On dit, qui sait que si le monde finit, il va voir la vie ténèbre. C'est toi, tu lèves ton doigt. La foutaise. Le Jésus Paul l'a dit que vous avez foutaise. Il dit que vous avez foutaise. Sérieux? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a été de blaguer avec nous? Est-ce que ce qu'il a été de dire, ce sont des histoires? Apparemment, il n'est pas accepté par tout le monde, comme d'habitude. Il y a un autre pasteur qui a décidé de réagir face à tout ça pour dire à ses gars de faire attention. Et le voici, il est ici. Regardez. Jusqu'à y a un Dieu qui a baoulé. Un Dieu baoulé. Un païen qui a porté une soutane blanche et qui se promène au milieu des gens. Mais Jésus est qui est? Parce que la façon dont les gens le croient là, il dit qu'il est Dieu et les gens le croient. Il dit que c'est lui qui a envoyé Moïse. Oui. Il dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et les gens le croient. Est-ce que lui, quand il va demander à ses fidèles, puisqu'il dit les dieux, il va leur demander de faire des bêtises, est-ce qu'ils ne vont pas suivre ça? C'est un danger potentiel. À part le grand Kokamba. Kokamba, c'est un faux prophète. Hein? Écoutez ça encore. Sérieusement bizarre. Hein? Que se passe-t-il quand tu es attaqué par tes pommes gars, pasteur? Et c'est devenu maintenant une chose qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les pasteurs du buzz. Ouais. Ouais. Les pasteurs du buzz sont dans la place. Et ça fait rire les gens. Ils sont devenus des pasteurs amusants. Les gens aiment bien les regarder. Pour se marier. Regarde ça. Because you came out here to laugh in the presence of God. Because Vous voyez ça? Because you came out here to laugh in the presence of God. Laughter, we are bound in your family. Come on from your family.
voyez ça? Because you cannot have a laugh in the presence of God. Wow. Voici ce que font les nouveaux pasteurs. Ça, c'est compliqué. Mes frères et sœurs, voici ce que font les nouveaux pasteurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Alors que les sorciers travaillent derrière, les nouveaux pasteurs aussi font leur job. Ne soyez pas distraits. Restez éveillés. Si vous n'êtes pas bon à vous, voiture la cloche et partagez avec vos amis. N'oubliez pas vos j'aime aussi. Vous, j'aime. C'est parti. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo, c'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un virement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description de tous mes liens, où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nuance Bonne 3. Agrégation sur Bonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez le voir. Nuance Bonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.